deuxième endroit dans Yellowstone. On va aller voir la Kibler Cascade. Sur la terrasse là du Old Faithful Inn pour prendre un petit café, et en fait on a vu sur les geysers, et là il y en a un qui est en éruption, ça se dit pour un geyser? D'accord, qui est en éruption. Et, il s'appelle le Old Faithful, qui est plutôt pas mal, qui est monté super haut. Là, on a mangé au Yellowstone General Store ce midi. On a mangé des pizzas, elles étaient plutôt bonnes. Là, on va voir si internet est un mensonge ou pas. On va aller voir le grand prismatique et voir ses couleurs normalement exceptionnelles. Thank you.
vient d'arriver au All Faithful Snow Lodge. Donc on vous laisse découvrir notre petite chambre. Donc juste à côté du fameux All Faithful Inn. Deuxième jour à Yellowstone, c'est un peu traître Yellowstone parce qu'il y a du vent et donc on a pris des coups de soleil énormes. Premier stop de la matinée, on arrive à Fountain Pine Pot. Je vous laisse regarder les images. Donc ça venait de là-bas le gros bruit. La petite image sympathique sur le panneau. Ah, au secours! Ne pas tomber. Ne pas perdre son enfant. Avoir beaucoup de chance en fait pour voir ce geyser en éruption qui est entré pour la dernière fois en éruption le 20 juin. Nous sommes le 21 juillet. Voilà. On n'allait pas attendre un mois de plus. Alors ce midi, on a mangé au General Store de Canyon Village et là on part sur le trail Brink of the Lower Falls pour aller voir, du coup il y a la Yellowstone River et la cascade qui n'a pas l'air dégueu du tout. Mais si vous allez à Yellowstone, ne loupez surtout pas Brink of Lower Falls Trail, qui est juste incroyable, incroyable, incroyable. C'est un des plus beaux trucs que j'ai pu voir dans ma vie, c'est incroyable, c'est ouf. Enfin, c'est trop beau, trop trop beau. Faut surtout pas le louper si vous allez à Yellowstone. Prochain point de vue, un peu plus loin sur la route, on va à Lookout Point. Thank you.
dernier point de vue encore plus loin sur la route, et il s'agit de Inspiration Point. Shelter of Niagara. Non, toujours pas. Dernier spot de la journée, on s'est arrêté à Mud Vulcano. Vous n'avez pas l'odeur et vous avez bien de la chance. Ça horrible. Sent vraiment, vraiment la pourrie. Bah, Mud Vulcano, comme dirait Simone, hein. Moche. On vient d'arriver à notre hôtel qui est le Canyon Lodge à Yellowstone du coup. Donc je vais faire un petit room tour, on est dans des cabanons. Voilà, ça m'a l'air bien mignon, on va aller voir ça. Trop chaud. Avec le petit banc en bois. Oh, dis, si on voit des animaux là. C'est tout mignon, on a une belle vue sur la forêt, donc c'est plutôt sympa. Voilà, bon, là on va aller prendre une douche. Et après on va aller au resto du coup de l'hôtel. Parce que dans les parcs nationaux, c'est un peu compliqué de s'alimenter. Pour peu cher et bon. Donc voilà. Et puis bah, après, dodo. Et à demain. Voilà là, là, voilà là. Là, comme dirait Tom, c'est une dinguerie. Un bison me fonce droit dessus. Va dans l'herbe, mon pote, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive vraiment sur nous, là. Il va pas bien sur nous. Il va... Waouh ! Tu peux baisser ma fenêtre ou c'est trop dangereux ? Non, non, tu baisses pas ta fenêtre. Bon, je pense. Tu crois ? Ok. Vas-y, tu peux, tu peux. Oh Mims, tout petit nounou. Pas si petit que ça, je pense.
Bon bah voilà, on quitte Yellowstone. On a quitté Yellowstone, on a passé les guérites. C'est fini pour cette partie-là. Très très beau. On y aurait passé bien plus de temps, mais bon, un peu comme partout. On est content parce qu'on a coché les bisons sur la route. On a coché, on a vu des cerfs et on a vu des ours des rennes et des ours de très loin, mais bon, on a quand même vu des ours. Moi, j'espérais quand même voir des bébés ourchons traverser la route. Mais bon, on a vu quand même des ours de loin. Et voilà. Et là, on est en route pour la prochaine étape, c'est-à-dire Kodai, comme j'aime l'appeler. Bisous, bisous.